19h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la RDC, différentes heures dans le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon-Joléo News, au 20e édition en France, où le sommet de Paris s'est clôturé le mardi dernier. Elle a été une opportunité offerte à l'Afrique pour lever les fonds et sauver les continents durement frappés par la pandémie de Covid-19, a dit le président en exercice de l'Union africaine, président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son allocution ici en suivi. L'économie s'effondrait en une année. Voilà pourquoi, à l'initiative de la France, les dirigeants africains et ceux des organisations économiques internationales se sont retrouvés à Paris pour mobiliser des fonds dans l'objectif de sauver les économies africaines. Président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le porte-voix des pairs africains. Il a résumé les attentes des dirigeants africains. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par cette pandémie qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions, à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter, obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Le président Emmanuel Macron, le sommet de Paris est une réunion d'urgence et d'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vacciné au monde. Une urgence économique et sociale. Madame la directrice générale vient de rappeler, le président Tshisekedi aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Les travaux de Paris se sont déroulés à huis clos, et les deux chefs d'État ont promis de revenir devant la presse pour faire de grandes annonces. Conjoncture économique portant sur l'évolution générale de la situation économique au niveau national et international. Suivez Christian Moindo, ministre du Plan, qui a fait les comptes rendus. $500 millions pour l'opération de projet Kinelenda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord, de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt
du don qui sera fait par la Banque mondiale. Nous avons ensuite évoqué la question des exonérations. Nous avons constaté effectivement que le taux des exonérations, la valeur des exonérations est très élevée, qui se chiffre plus ou moins à 425 millions en cumul annuel. Le Premier ministre a instruit la ministre des Mines, le ministre des Finances et les autres ministres sectoriels de bien vouloir examiner en profondeur la source principale de ces exonérations, de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. Il a été également demandé de maintenir la stabilité au niveau macroéconomique. Le taux est resté relativement stable. Aujourd'hui, au niveau officiel, le taux est à 1 dollar pour 1988 francs congolais et au niveau parallèle, 1 dollar pour 2021 francs congolais. Le chef de l'exécutif a donc donné les instructions à la Banque centrale pour que le pacte de stabilité macroéconomique soit strictement respecté et le ralentissement des dépenses de l'État a été également à l'ordre du jour pour éviter tout dérapage monétaire. Voilà. D'un ministère à un autre, signature dans le prochain jour d'un accord de coopération maritime entre la RDC et la Namibie face à la flambée des prix sur le marché congolais. Le ministre de Pêche et Élevage a relancé la pêche industrielle et élevage, un secteur porteur de croissance. Invited by His Excellency the Minister. Nous sommes honorés d'être invités par Son Excellence, Monsieur le Ministre, particulièrement parce que c'était sur la coopération entre nos deux pays frères, sur la coopération dans le secteur de la pêche maritime. J'ai une très bonne impression et j'espère qu'avec lui, la coopération dans les domaines maritimes et de la pêche sera vraiment en train de prendre de la vitesse parce qu'il a été très sincère avec moi. Et ce qu'il m'a dit, en fait, s'aligne en pensée générale de ce qui est déjà en et j'espère vraiment qu'à partir de maintenant, les choses vont avancer en toute vitesse parce qu'il est en train de prendre de la vitesse parce qu'il a été très sincère avec moi. Et ce qu'il m'a dit, en fait, s'aligne en pensée générale de ce qui est déjà en attente du côté de la Namibie. Et j'espère vraiment qu'à partir de maintenant, les choses vont avancer en toute vitesse parce qu'il a clairement indiqué que c'est une priorité. Et au Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur de la République sud-coréenne. Leurs échanges ont tourné sur le rapprochement de Kinshasa et les Suèles. Au sortir de l'audience, le diplomate coréen s'est dit impressionné par l'accueil lui a été rendu réservé par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Je voulais discuter avec lui, avec M. le Président, comment nos deux pays, comment nos deux assemblées nationales peuvent davantage travailler pour développer notre coopération qui est déjà forte actuellement. Nous nous sommes mis d'accord avec le Président de l'Assemblée nationale que le niveau de la coopération actuelle est solide et fort. Nous avons des possibilités de coopération dans beaucoup de domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel et bien d'autres domaines. Tout en développant notre partenariat, nous serons aussi en mesure de développer nos relations avec l'Assemblée nationale. Bien sûr, absolument. J'ai beaucoup apprécié son chaleureux bienvenu. And I look forward to further working very closely with the speaker and the national. Et je m'attends avec impatience de travailler davantage avec le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale elle-même. Toujours au Palais du Peuple, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, a présidé mardi 18 mai la conférence de présidents de commission au sein du Parlement congolais. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette conférence. Suivez son rapporteur. La conférence des présidents a eu lieu hier sous la présidence du président Mbosso. Plusieurs questions ont été évoquées. La question liée au fonctionnement de l'institution à travers ses organes. Les travaux de la session ordinaire en cours. Comme vous le savez, la conférence des présidents
a plusieurs rôles à jouer, entre autres d'établir le calendrier de la session ordinaire. 6 propositions du bureau, du gouvernement et des présidents de commissions permanentes et de groupes parlementaires. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale soumettra ses projets de calendrier des travaux en plénière pour adoption. Comme vous le savez, lorsque le gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, demande qu'on inscrive dans les calendriers des travaux de la session un projet de loi ou une déclaration de politique générale, cette demande est des droits et l'inscription dans les calendriers est en priorité. Il en est de même pour son examen en plénière, c'est fait en priorité. Et donc voilà, la conférence des présidents a été convoquée par le président de l'Assemblée nationale pour annoncer qu'une nouvelle matière en provenance du gouvernement était déposée et qu'on devrait l'inscrire dans les calendriers. Voilà pourquoi je vous ai expliqué la procédure de l'inscription d'un projet, d'une matière en provenance du gouvernement dans les calendriers des travaux de la session en cours. C'était ça la synthèse de la réunion des conférences des présidents qui a eu lieu. Depuis de l'entrée en vigueur de l'état de siège dans le province de Nord-Kivu et de l'Ituri, un autre imam engagé contre le radicalisme de l'islam a été assassiné dans le territoire des Béni mardi 18 mai. Jamal Moussa, qui est également président de la société civile de la localité des Mavivi, a été abattu à son domicile sur le deuxième imam tué en ce mois de mai dans le seul territoire de Béni. Toujours en province, deux professionnels de santé du centre de santé Dominga dans le groupement Usala en territoire du Walikale restant introuvables depuis le week-end dernier, selon la jeunesse de la mutualité Bukanakina. Ces personnels soignants auraient été kidnappés par des milices Mumanya de Kabibo après des affrontements de la zone avec les combattants du NDCR dirigé par Guidon Chimirai. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bien, merci de l'avoir suivi. Au revoir.